Bonjour à tous et bienvenue sur Foodies Lab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble un gros classique des boulangeries et des sandwicheries, le crudités-ton. Bien sûr on va activer le mode ultimate pour le plus frais des sandwichs fait maison avec du poisson frais. Les beaux jours arrivent, en parlant du beau temps bien sûr. Ce sandwich vous accompagnera dans vos sorties et pique-niques, mais ça commandera très bien d'un plateau repas tranquillement posé sur votre canapé devant un épisode de Breaking Bad. Alors ultimate crudités-ton, c'est parti. Alors bien sûr, quand on parle crudité thon, on pense forcément à la boîte de thon. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a décidé d'activer le mode ultimate. Alors on va mettre la boîte de côté pour le jour où on activera le mode serrage de ceinture. Aujourd'hui, la ceinture est bien desserrée, alors on va en profiter pour cuisiner un pavé de thon albacore d'environ 300 grammes. Je vais commencer par le couper en deux pour que la cuisson soit plus rapide. Et concernant la cuisson, je vais faire pocher ce thon dans une eau à 90 degrés. Donc, qui ne sera pas en ébullition. Si vous n'avez pas de thermomètre pour contrôler la température de l'eau, portez-la à ébullition, puis baissez le feu au minimum, et dès qu'elle arrête de bouillir, l'eau est prête. Et avant d'y plonger le poisson, vous allez y ajouter le jus d'un citron, quelques feuilles de laurier et une branche de thym, une cuillère à café de sel, et vous allez pouvoir venir déposer en douceur vos morceaux de thon. Concernant le volume d'eau, il en faudra simplement de quoi recouvrir le poisson. Vous recouvrez, et vous laissez cuire toujours avec le feu minimum pendant 10 minutes. 10 minutes qui vont nous laisser le temps d'hacher une ou deux échalotes. Vous l'aurez compris, deux petites ou une grosse. On va ensuite ciseler une petite poignée de persil. Et environ 3 cuillères à soupe de ciboulette. Et il est très important de ne pas dépasser le temps de cuisson avec le thon si vous ne tenez pas à vous retrouver avec un sandwich crudité chaussure. Une surcuisson rendra elle aussi le poisson trop sec et mieux vaut le sous-cuire légèrement que de trop le cuire. Et au pire des cas, s'il n'est pas assez cuit, vous pourrez toujours le remettre à l'eau. Présentement, on constate qu'il est bien cuit et bien tendre. On va donc pouvoir le placer dans un grand bol et le hacher grossièrement avec une fourchette. Maintenant, on va laisser le thon refroidir quelques minutes et pendant ces quelques minutes, on va préparer une petite mayo rapidement. On commence par casser un œuf entier dans un grand verre auquel on va ajouter un peu moins d'une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, un peu de poivre, une cuillère à café de jus de citron et on va démarrer l'émulsion avec seulement une cuillère à soupe d'huile, de préférence neutre, style colza, tournesol ou avocat. On émulsionne pendant 10 secondes avant de venir ajouter un filet d'huile en continu jusqu'à ce que la mayo soit prête. Opération qui prendra moins d'une minute avec un mixeur plongeant ou avec un fouet et la force des bras. Une fois la mayo constituée, elle part rejoindre le thon. Idem pour les échalotes, le persil et la ciboulette. On assaisonne avec quelques tours de moulin à poivre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Et on mélange bien. Notre thon mayo est bien assaisonné. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le laisser refroidir au moins une heure au frigo pour pouvoir le servir bien frais. Et maintenant qu'on a fait thon, il va falloir faire crudité. Et là, vous aurez l'embarras du choix. Vous pourrez opter pour du concombre, de l'avocat, des tomates, des carottes, du chou rouge, du chou blanc, du maïs, des pousses de soja, des cornichons, de la betterave. En revanche, ce que je vous conseille, c'est de ne pas en choisir plus de 3, pour éviter de se disperser et de ne plus pouvoir reconnaître les goûts. Pour moi aujourd'hui, ça sera concombre, avocat et tomate. Pour moi, dans un crudité, les œufs sont obligatoires, mais je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Alors bien sûr, c'est facultatif. Mais je sais que ça plaira aux gratteurs de protéines qui mettent même de la whey dans leur soupe. Et là, vous devez certainement vous dire qu'il n'y a plus rien à voir, il nous a tout montré, pas besoin de regarder le reste. Et c'est faux, le mode ultimate n'a pas encore été atteint, j'ai encore des choses à vous montrer, alors restez bien jusqu'au bout. En commençant par faire toaster du pain avec du beurre,
Moi, j'ai opté pour du pain de campagne, mais choisissez le pain que vous voulez. Baguette, pain viennois, pain de mie, pain de seigle, faites votre choix. Une fois le pain toasté, on va pouvoir le remplir en commençant par le thon. C'est du poisson frais et bien assaisonné, alors allez-y généreusement. Je recouvre entièrement le thon avec des œufs durs. Ensuite, une couche de fines tranches de concombre. Une couche de fines tranches de tomates que je vais assaisonner avec un zeste de citron vert. Ensuite, une couche d'avocat bien mûr que je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Et je termine avec une petite averse de comté. Et là, vous devez certainement vous dire qu'il n'y a plus rien à voir, et vous avez raison, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu à cette vidéo, commentez-la et partagez-la. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!